Bonsoir pour nous toutes. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui. Hein. Nous vendredi 19 août 2024. Nous rentrons la caille en collaboration avec VOA Creole pour nous capables de venir porter pour nous toute information qui gagne par la caille par nous avec l'autre bord de l'eau dans le grand journal. Mais parmi quelques points à gagner pour nous venir développer dans le journal, là, gagner Madeleine Fizeme qui est même installé aujourd'hui. Hein. Comme coordonnateur général au niveau de l'OMRH. L'autre information dans le journal, on va mener nous dossier sécurité. Derby Guerrier nommé comme commandant-chef par intérim dans la force armée pays d'Haïti. Il est remplacé Jodel Lesage dans le poste Silla. Et puis l'autre bord de l'eau, eh bien nous praler dans pays Brésil. 62 moun perdit l'avion dans un crash, un avion. Qui lui-même a été fait jeudi dans la ville de São Paulo et puis dans le pays Venezuela, gagné Nicolas Maduro qui lui-même voulait jeter toute négociation avec chef opposition. Point ça, avec divers les autres, a gagné pour venir développer dans le journal là, mais c'est pas la préposition. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde qui est bel et bien connecté au journal. Bienvenue dans le développement du journal. Nous avons démarré avec l'information qui est pour la nomination. Gagné secrétaire général primatien, M. Camille Junior Edouard, qui procédait jeudi, vendredi 9 août 2024, avec l'installation du nouveau coordonnateur général. Office Management et Ressources Humaines, OMRH, eh bien, Madeleine Fizeme, c'est lui-même qui est nouveau coordonnateur OMRH, eh bien, lui promet pour que lui capable de travailler dans l'idée pour que lui capable de mettre et boîte ça dans une bonne condition. N'a quitté information qui vient pour ak installation pour n'allouer dossier et bien sécurité et bien gagner un derby et guerrier et qui lui-même nommé comme commandant en chef par intérim dans la force armée pays d'Haïti. Gouvernement li officialisé choix derby guerrier comme commandant en chef par intérim force armée pays d'Haïtien avec grade lieutenant général. Eh bien, une décision ça, l'été prend à travers un arrêté qui était sorti dans la date 7 août 2024 là, qui était publié dans le journal officiel Le Moniteur. Eh bien, un derby guerrier l'y remplaçait Jodel Lesage dans la tête force l'armée pays d'Haïti. N'a quitté information yo pas bon la caille pas nous pour que nous capables aller l'autre bord de l'eau. Gagné un président vénézuélien Nicolas Maduro qui fait qu'on est que l'IPAPRAL négocier ensemble avec chef opposition. Eh bien, une bagaille que l'IJUGE que chef opposition fait pays Venezuela en pile mal. Dans ce sens, l'IPAPRAL négocier ensemble avec chef opposition. Il dit seule négociation est capable de faire ensemble avec chef opposition. Eh bien, chef opposition, il doit, eh bien, porter tête et devant la justice. Pour que les capables répondent ensemble avec ensemble crime que les commettent en payant ces déclarations président vénézuélien a parlé de Nicolas Maduro qui lui-même était élu président dans dernière élection qui était faite dans pays Venezuela dans date 28 juillet passé. N'a quitté pays Venezuela pour que nous capables traverser dans pays Brésil. Pour nous avoir une mauvaise nouvelle, ça, eh bien, gagné 62 personnes qui ont même perdu la vie par rapport avec un crash, un avion qui fait jeudi vendredi dans la ville de São Paulo. Avion ça qui était porté 62 personnes. Dans 62 personnes, il faut nous dire gagné 58 passagers à 4 autres personnes qui étaient partie des membres d'équipage ça. Eh bien, avion ça, il a pris le crasé et tout 62 personnes, ils même ont perdu la vie. Par rapport avec recherche qui ont été fait pour qu'ils soient capables de joindre si ouais ont moun pour qu'on mourir. Malheureusement, tout 62 personnes ont perdu la vie. N'a pas rappelé que avion ça, lui-même, lui sorti
la compagnie Voepass, qui c'est une compagnie aérienne brésilienne. C'est avec information ça que nous avons mis au bout ensemble avec le journal là. Nous avons pris le plaisir pour que nous soyons capables de porter le pour nous. Nous invitons à te suivre Véro Creole, puisque eh bien, information à poursuivre dans le journal Rendez-vous. Avec le grand cap de mini-actualité, vice-président Kamala Harris avec ancien président Donald Trump d'accord pour faire premier débat présidentiel. 10 septembre, dans le moment sondage montré, deux candidats dans un coup serré pour l'élection 5 novembre 2024. La force sécurité au Venezuela fait plusieurs centaines d'arrestations contre citoyens qui t'a dénoncé résultat élection 26 juillet qui déclarait président Maduro remporter la victoire devant candidat opposition Edmundo González d'après Conseil électoral national. Là. Et puis en Haïti, gouvernement annoncé des commandes des armes et munitions pour aider forces de l'ordre combattre l'insécurité. Oui, effectivement, c'est point ça avec le qu'on a développé pour notre journal là. Je veux dire, c'est le dernier sorti pour ce maintenant. Donc, on a commencé avec nouvelle vidéo. Actualité à Chito abdominé. Ici aux États-Unis, avec annonce candidat parti républicain pour l'élection présidentielle novembre 2024, n'a pas le républicain Donald Trump, avec candidat parti démocrate là, Kamala Harris, vice-président Kamala Harris, eh bien, il a annoncé premier débat qui est fixé pour 10 septembre, Cap Vini là. Valérie Saint-Louis dit nous, eh bien, son débat déjà qui fait un pile, qui monte sur un pile commentaire, étant donné que deux candidats, yo, yo pas de pop-up dans l'intention de vote. Valé Saint-Louis. Vice-président américain Kamala Harris, qui est candidat présidentiel pour Parti démocrate là dans l'élection novembre, ensemble avec adversaire républicain lien, ancien président Donald Trump, est tombé d'accord hier jeudi à pour troquer cognon dans le premier débat télévisé qui programmé dans date 10 septembre sous Channel ABC News. Channel télévision NBC News lui-même a discuté du potentiel deuxième débat ensemble avec tous les partis. Pendant ce temps, sondage a montré que course électorale là entre Kamala Harris et Donald Trump en un moment paraît très serré, avec Kamala Harris qui t'a peut-être devant en pile dans sondage qui sortit à travers pays là, mais toujours pied pour pied derrière Donald Trump dans quelques états clés qui ont les champs de bataille qui gagne en pile chance pour déterminer résultat élection yo sous territoire national. Candidat à la présidence Donald Trump ensemble avec alliés républicains dans le Congrès tombé d'accord sur plusieurs thèmes importants dans l'élection ça, des thèmes clés coué politique étrangère qui gagne la donne si pour les États-Unis pour Israël. Mais il y a toujours été une différence importante sous la Chine, par exemple. Politique sous tarif yo ak aide pour Ukraine. Et ces différences ça yo qui capable de compliquer un deuxième mandat pour Donald Trump. Ancien président Donald Trump rencontré avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mois passé. Donald Trump a déjà critiqué le premier ministre Benjamin Netanyahu pour échec li dans affaires sécurité. Il a dit qu'il te permet attaque militaire à Hamas le 7 octobre là. Une caractéristique politique étrangère de Donald Trump pendant qu'il était sous pouvoir, c'est que l'est imprévisible. Un analyste dit VOA, la Voix de l'Amérique, que caractéristique ça a reflété sous plateforme politique étrangère 2024 Parti républicain. Chris Tuttle, c'est un ancien conseiller sous affaires relations étrangères. Pas un pile de détails sur ça. Ça qui bat l'avantage pour le capable de mettre sous pied une politique de façon que l'ouais qui pi bon dans moment ça. Au lieu que yo suive une politique fixe depuis le commencement du mandat. Partisan républicain Donald Trump a déclaré que l'application média social TikTok là contrôlée par le gouvernement chinois et puis il est capable d'utiliser lui pour joindre accès à information sur utilisateur et puis tout influencer croyance politique yo. Sénateur républicain Mitt Romney t'a parlé sur question ça. Moi pas voulez parti communiste chinois joindre données à information personnelle sur citoyen nous yo. Ni yo pas doué gain algorithme qui t'a permettre yo faire propagande sur peuple américain. Donald Trump lui-même t'a changé position lui sous interdiction plateforme TikTok là année ça. Nous voulons sauver TikTok. Yo voulez détruire TikTok. Tout le monde qui sous TikTok yo votez pour Donald Trump. Donald Trump t'a critiqué tout organisation traité non atlantique là. Il dit que pays membre yo pas payé parti pa yo pour défense commerce. Candidat lié pour vice-président JD Vance lui-même t'a critiqué États-Unis plus toujours pour tête yo voué l'argent avec aide by pays Ukraine. But let's not mistake the courage of pas confondre courage troupes armées ukrainiennes souterrain avec le fait que yo gain leadership à gouvernement qui pique corrompu en Europe. Si c'est pas leadership qui pique corrompu à travers monde là. Position ça allait directement à l'encontre leader majorité Sénat Mitch McConnell qui te discuté que aide que yo bay pays Ukraine essentiel pour défendre démocratie en Europe. Analyste yo dit que appel Donald Trump là pour augmenter tarif yo s'il t'a réélu pour un deuxième mandat, t'a qu'à la cause plus conflit avec législateur républicain yo.
Donald Trump te promet pour augmenter tarif douaniers de au moins 60% sous pays la Chine et de 10% sous tarif importation qui t'a sorti dans l'autre pays s'il t'a arrivé réélu comme président des États-Unis. Pour VOA News, Catherine Gibson, adaptation créole, Valerio Saint-Louis. Pour VOA Créole, depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Eh bien, dans l'autre point de mini actualité, on a dit que candidat pour poste vice-président Parti démocrate là, et sénateur Tim Rolls, mais il n'y a pas de position sur la Chine. Est-ce que l'Ipral série Bounon la Chine, pays côté, il était enseigné dans le programme sous politique États-Unis, Serge François Michel? Tim Walz était arrêté en Chine en 1989 et Pita a organisé voyage étudiant et il fait connaître qu'il a visité le pays en plus passé 30 fois pendant des années. Républicain dit relation Walz gagne depuis longtemps avec la Chine, veut dire Pékin a bien content d'entendre l'y entrer sous ticket Harris là. Et au prédit, l'Ipoal lâcher politique économique et commerciale lundi États-Unis. J.D. Vance, jeune nomination parti républicain comme candidat pour vice-président. She selected Tim Walz, a guy who wants to ship more manufacturing jobs to China. Lady Kamala Harris choisit Tim Walz, yon est qui voulait expédier plus job factory aller en Chine. Vance semblait appeler de support Walz Tebai pendant plusieurs années pour commerce avec la Chine comme gouverneur d'État Minnesota. Walz pas de parler de la Chine, l'elle te paraît pour ouvrir compagnie. Mais qui j'en dénègue, qui était parlementaire en 2016 là, qui a dit j'en l'étais aux relations payant avec États-Unis. L'été prend la parole 15 septembre 2016. L'été dit pas tomber dans la catégorie monde qui dit la Chine obligée qu'il y ait une relation adversaire avec nous. Pas d'accord du tout. Et me pensez nous besoin camper ferme sous ça y a fait dans la merci de la Chine. Mais, gain plus il y a domaines côté nos cas coopérés. En Chine, quelques temps après l'ont commencé campagne, choix Harris pour vice-président, c'était de ça en pile monde t'a parlé sur réseau social. Dans yon réseau yo, gemon ça qui dit on pensait li ka sympathique avec la Chine. L'autre monde sur internet là pensait li ta ka pidu avec la Chine. Tout là il était dans congrès, il était con yon dans parlementaire qui patronnait une série de résolutions qui critiquaient dossier droit monde la Chine. Il y a un historien nationaliste sous la main dit démocrate yo voulait détruire la Chine. L'autre monde fait commentaire sur sa Walz relé Lynch Lee qui a changé la vie avec Dalai Lama, l'idée exilée Tibet à côté. Yon même dit qu'ancien professeur en Chine en parlant Walz était tout semblé un espion américain. Moun kap suivre la Chine avec pile attention dit je connais la Pékin pas qu'on réagit en public sur choix ça. Kaiser Kuo, c'est animateur cynique en podcast. Il y a un programme de discussion qui fait chaque semaine sur ce qui a passé en Chine. He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record. Il dit, il va mettre de l'eau dans la bouche pour critiquer le dossier de droit monde en Chine. Et je pense qu'il fait ça en position côté, lui montrer clair toute sincérité, parce que lui incarne tout genre de principes qu'il t'a voulu faire gagner en Chine. Comme ça, les duo A, ils ont tous les deux été faits en 1964 sous même signe zodiac là, les noms. Ils ont commencé à marcher tout bon pour parler avec le peuple américain. Pékin a seulement posé question pour dire qui ça l'avenir a poté si Père Dragon boit ça à Alchita dans Maison Blanche. Serge François Michel, Rio Creole. Non, l'autre cadre de mini actualité, on a dit candidat pour poste. Et candidat pour poste vice-président du Parti démocrate, là, c'est et gouverneur État Minnesota, Tim Walz, contrairement à sénateur que je me disais avant. Et puis, nous parlons de notre nouvelle, la guerre en Israël, entre l'armée Israël là, avec groupe militant Hamasio dans le territoire Gaza, et puis depuis plus de 10 mois. Eh bien, guerre ça, il commence à avoir un gros impact, ou commence à avoir un gros impact psychologique, physique, et même en pile maladie, commence à saccager la santé population, surtout Timounio, en avance avec Jetty Junior. Même Jean ak an pil lot ti moun nan Gaza, Yasmin Al-Sankari, ki gen 3 lane, pap soufri selman ak bouleversman la gen ki pa jam kanpe a, men tou, li se youn nan an pil viktim maladi po, epi ki po kou ka jwen oken soulajman. Medikaman pa fasil pou jwen nan l'opital yo, kap fonksyone nan anklav la, la me Israel senen tout kote. Papa Yasmin a plein sol pendant l'ap chèche guérison pour petite fille. والله احنا في المدارس بنعاني كثير
Nous souffrons un pile maladie pour dans l'école. Premièrement, l'école yo crasé et puis yo pas propre. Comme ou kawe, l'école là gen trop moun. Et puis tout petit moun pas même. Chaque petit moun différent. Comme exemple, petite fille moi, Yasmine, sensible ak maladie. Maladie sou figil la, ça gen presque 10 jours. Hamar Halmacharawi, ki gen 2 ans et demi, gen yon gratel sou figil ak kol. Papal Ahmed ap cherche traitement pou li nan l'hôpital Kamahardwan. Raison an, se paske pa gen manje ak medikaman. Pa gen anyen même, n'ap soufri pou tout bagay. Pa gen aucun medikaman ou swa manje pou ti moun yo. Ti moun sa yo, pa gen lontan yo retire yo nan lèt maman yo. E pi, yo pa ka jwenn ze, banan ou swa nenpòt lòt bagay ki bon pou yo. La guerre plus passé 10 mois entre l'armée Israël là ak groupe armé Hamas là kite Gaza sans de l'eau propre. La rio couvri ak fatra. Débris kay ki gaye nan toute la ria, la cause en pile ti insek ap volé nan figi ti moun yo. Sa ki la cause tout, yo tombé malade. Docteur Wissam Arsakani ap aide comprendre situation. Quantité moun ki vin nan abri yo contribuye nan propagation rapide maladie po yo. Hier nou te parlé de hépatite et puis jodi a nou ap parlé maladie po ki contagie. Chaque jour nouveau maladie apparaît. Gaye nan mitan ti moun yo tankou vitiligo, maladie falciforme, gal ak psoriasis. Maladie po, pas seulement maladie qui affecte ti moun yo, nan youn nan kote ki gen plis moun sou la terre. Organisation mondiale la santé fait konnen hépatite A ak polio gaye nan mitan ti moun yo. Li lage koz la sou gros problème dlo, fatra ak dlo sal ki nan la ri yo. Tout bagay vin pi mal pou moun kap viv pil sou pil nan kan yo. Malgré tout problème sa yo, population Gazaoui a continue ap déplacer ak atak lame Israel yo. Ye jeudi 8 daout 2024 la, yon video montre Palestinien yo kap déplacer kite kan Younis an ba nouvo lòd evakuasyon. Rezidan yo di, plusieurs dizaines fami commence kite kay yo. Et puis, yo pran direction Halmawasi nan l'ouest Gaza. Yon zone ki désiré pour opération humanitaire. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Actualité la kounya la mené nous nan Amérique du Sud la, particulièrement au Venezuela, kote gon chiripit entre président Nicolas Maduro avec propriétaire réseau social X, ancien nom Twitter, sous plusieurs raisons. Nous allons descendre à l'humeur pour dire plus de détails. Président vénézuélien Nicolas Maduro interdit réseau social X pour 10 jours jeudi. Lidi li prend décision parce que moun te servi avec réseau a pour chauffer tête moun pour commettre des actes violence pendant élection présidentielle là. Développement ça a vini après autorité électorale Venezuela te proclamé Maduro gagnant élection présidentielle 28 juillet a, malgré li poko présenté résultat officiel qui t'a montré Maduro te remporté 51% voix. Avant ça, monsieur te critiqué propriétaire X là, Elon Musk. Li dit Elon Musk c'est propriétaire X et li violé toute règle réseau social Twitter yo que nous connaissons comme X kounia. Li violé règle sous incitation parole, raissement, fascisme, guerre civile, l'homme mort, confrontation vénézuélien et puis toute loi Venezuela à la one badet. Chi répit entre Maduro avec Musk vin pi chauffé depuis élection. Musk lui-même comparé président vénézuélien à Kumburik. Et puis tous les deux lancé des filles yon by lot là pour goumen dans commentaire yon publié sous X ak sous réseau national Venezuela. Interdiction, hein, c'est une autre attaque contre géant technologie yon semaine sa. Maduro te encouragé partisan liyo pour yon by WhatsApp vague et puis utiliser Telegram ou bien WeChat pito.
Maduro déclaré moun ap servi avec WhatsApp pour menacer famille soldat yo ak policier yo. Pendant ce temps, jeudi, ministre affaires étrangères Brésil, Mexique ak Colombie répété appel yo pour corps électoral Venezuela publier document électoral yo. États-Unis, Argentine ak Chili dé refusé reconnaître victoire Maduro. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Actualité dans le pays d'Haïti, journaliste haïtien Robertson Alphonse, qui travaille dans le journal Le Nouvelliste, mais il recevra un prix, Association nationale et journaliste noir-américain, pour courage. Les collaborateurs, nous, Jacques Bélizer, je t'ai parlé avec le journaliste qui a dit l'importance prix ça a gagné pour lui. Moi, il est Robertson Alphonse, me fait en juillet. Journaliste Robertson Alphonse, directeur information dans Radio Magique 9 et responsable nouvelle nationale dans Le Nouvelliste en Haïti, a évolué aux États-Unis parce qu'il était couru quitter pays après il était victime d'une tentative d'assassinat. Il fait recevoir prix Percy Kobosa dans l'Association nationale des journalistes noirs pour engagement et professionnalisme. C'est un prix qui est chargé avec prestige. Oui, ça a souligné engagement un journaliste qui aux États-Unis, mais qui travaille sous les États-Unis. Li honoré engagement journaliste là à travers travail li qui mettait en avant intérêt communauté a qui soulignait tout courage journaliste là dans travail ça. Robertson Alphonse trouvait à côté journaliste vétéran Michel Montas, veuve célèbre journaliste Jean-Léopold Dominique qui était mort assassiné comme haïtien qui recevoir prix ça, un prix qui chita sous engagement. Engagement que Robertson traduit avec origine, avec reconnaissance li pour moun qui marquait la ville, carrière. Robertson, gen mémoire. Sans engagement, nan li sorti curieusement dans la communauté côté me fête et côté me lever. Me fête dans cité Simon Ovid Duvalier et qui vient cité Soleil 1er juillet 1976. Dans quartier côté me lever à Wivolsi. Et c'est pas seulement maman avec papa qui mouri, m'était très jeune, m'était 10 ans le papa m'est mouri. C'est pas seulement maman et on femme qui t'a levé et cette petite pour compte lui qui t'est levé tout quartier a t'est levé là m'a pensé avec ma tante Solange m'a passé avec ma tante Dieudonne t'es qu'on vend manioc et bon là où il y a bon l'église la genoyal t'es qu'on vend maïbou cané et des fois et là nous fin étudier grand goût arrivé sous m'jos paraît elle avait qu'à me voir pour me dire son ouvre le manioc et puis le bon manioc là. Il était engagé à sa façon d'aider Timoun Sakemdeya à avancer. Et il m'a dit que sans engagement, ça tout dans l'école côté Malé, dans Jésus Enfant Cité Militaire. Il n'y a pas quelques monde qui au service de Timoun Sakemdeya pour aider pour avancer. Pris ça, c'était occasion pour journaliste exprimer l'amour, patriotisme vis-à-vis Haïti et pour camper Haïti devant la face du monde avec un autre narratif. I was out of the need for me to not let the assassins, the killers silence my voice, the cry of so many of my fellow nation. I will continue to tell stories of my compatriots, the story of my country and all its complexity. For far, very far from the cliches and the fast food journalism, it's so often subject to when disaster happens in my country. It's important for me both as journalist and nation to show, and I mean, uneducated racist who call Haitian immigrants capital and my country shape whole that we are a great people. The first free and independent black people. Robertson Alphonse recevoir prix Percy Kobosa quelques mois après le fin complété programme Night Walasla ensemble avec yon vingtaine journalistes qui sorti dans 7 pays à travers le monde. C'était un grand moment dans la vie journaliste là. C'est d'abord une expérience humaine extraordinaire de rencontrer des journalistes qui animés par la même passion. Et j'ai découvert très très rapidement et j'ai été très agréablement surpris de confirmer cette pensée ou cette observation. Un principal objectif du programme Night Walasla, c'est aider journalistes continuer poursuivre rêve à grand projet yo gagné et participer dans programme formation continue. Dans ce sens, Robertson Alphonse, qui s'est remporté prix Percy Kobosa, a gagné un paquet de projets grandioses.
Pour gagner une idée de tout projet ça, nous invitons à suivre l'intégralité de l'interview sur toute plateforme. Jacques Lembélisère, VOA Creole. Oui, l'interview ça l'a disponible, s'il pas disponible déjà pour tout le monde qui a besoin d'intégralité. Nous parlons dans l'autre nouvelle. Concernant le pays d'Haïti, eh bien, il y a dans la société civile haïtienne plaide en faveur application accord 3 avril 2024 là, qui prévoit création Conseil national de sécurité à Renan Toussaint. La police haïtienne, l'armée d'Haïti ak mission multinationale soutien à sécurité en Haïti a prétend l'autre équipement zam munitions ak blindé yo di ki déjà nan route nan cadre bataille contre gang armé yo ki presque chaque jour a défié l'état haïtien. Mais c'est pas solution ça d'après président Conseil national société civile haïtienne Joseph Domingue Ojila. Li di c'est Conseil national sécurité a pour conseil présidentiel transition mettez campé rapide vite pour connaître qui type d'armes et munitions pays a besoin pour lutter contre banditisme là dans pays d'Haïti. Oui, on dit gain matériel qui a venu, mais c'est dans combien de temps la venir parce que ça fait longtemps y a promet tout ça. Et les ça venir au venir, nous voit qui ça passé. C'est pendant gain matériel qui souterrain là nous perdu grand série, c'est pendant gain matériel souterrain là nous perdu grecier oui. C'est pendant que matériel souterrain là nous perd du cabaret oui. Ça veut dire que c'est pas dit pour y a dit nous qu'a mais faut gagne haïtien qui évaluer ça qu'a gagne en fait en fonction des besoins nous. C'est vrai y a aider nous. Ou mon entrer là ca ou veut aider ou mais c'est pour dire comment pour l'aider ou parce que c'est au compte besoin. C'est pour ça nous dit son nécessité rapidement pour CDPA monter et Conseil national de sécurité a qui capable jouer rôle vis-à-vis dans cette question de sécurité. Pour le peuple haïtien et pour le pays en général. Joseph Domingue Ojila rappelé que c'est accord 3 avril 2024 là qui prévoit création organe qui relaie Conseil national sécurité. Il pose question pour demander pour qui ça CPT a poko qu'a décidé mettre structure ça à camper dans moment insécurité avec violence gang yo à valer terrain. Mes amis, 3 mois après, qui ça manqué qui fait yo pas qu'on jamais créer organe ça. Ça veut dire nous est 3 mois après, pas de gagner grecier, vin gagner grecier. Nous est 3 mois après, pas de gagner gantier, vin gagner gantier. Nous est 3 mois après, pas de gagner cabaret, vin gagner cabaret. Est-ce que n'attend 3 mois après pour nous arriver Saint-Marc? Est-ce que n'apprend tant 3 mois après pour nous arriver Mirebalais, pour nous arriver Miragouane, jusqu'à ce que nous vin pas gagner territoire perdu? Mais nous venons d'un pays qui gangrène net à question insécurité côté tout le monde obligé à mourir à courir. Est-ce que c'est ça nous voulons pas quoi? De l'autre côté, monsieur Ojila plaide en faveur mise en place organe contrôle gouvernemental là au cadre dans cadre lutte contre corruption en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Et le premier ministre haïtien Gary Conny promet pour réparer le ministère intérieur qui n'a pas été délabrement. On va joindre Emmanuel pour plus de détails. Premier ministre Gary Conny fait une visite pendant journée jeudi dans le ministère intérieur à la collectivité territoriale sous champ de Maslan. Pendant la visite, il a constaté dégâts gang améo causés dans le ministère qui trouvait sous avenue La Matinière, une zone qui vient tourner une zone rouge dans le centre-ville. Pendant visite là, Dr. Gary Conny, qui est titulaire ministère intérieur à collectivité territoriale, profite occasion pour interpeller population sur identification véritable ennemi nation. Mais faut ne pas jamais perdre de vue qui monde qui mettait nous là aujourd'hui. Pour qui ça nous là aujourd'hui? Ennemi c'est bandit qui a violé, pillé, détruit tous les jours. Chef gouvernement rappelé bandi sa yo kap taye banda représenté pi mauvais ennemi nation les dénoncer politiciens corrompus et criminels en col blanc piller ressources l'état et alimenter jeunes yo dans quartier populaire en âme et munition. Ennemi c'est politiciens kembe pays en otage pendant des années qui détruit institution yo à travers corruption. Ennemi c'est l'autre qui met prend cob met zam dans mes bandi yo. Premier ministre Gary Conny promet que le ministère intérieur va réparer et le palier pour remettre au service population pendant insister que Zach criminel n'a pas prêté impuni. Et m'a dit peuple haïtien, prends patience. Prends patience. Les gens veulent écraser nous, ils veulent détruire nous, ils veulent montrer nous que nous ne sommes pas rien. Mais nous avons reconstruit.
n'a pour reconstruire ministère de l'intérieur qui pour le tourner dans bâtiment ça. Et avant pas trop longtemps. Dans ce qui concerne l'établissement de sécurité dans la capitale haïtienne, nous apprenons qu'il y a l'autre équipement, ZAM, avec munitions blindées qui sont en route pour la police nationale d'Haïtien, FADH, sans compter MMAS. Souterrain, présence force là, par quoi bah, résultat. Au contraire, dans certains quartiers, gang a mieux contrôlé, gang ça revient beaucoup plus arrogant. C'est qu'un groupe 400 Marozo qui continue à défier la police pendant le plein contrôle gantier dans l'ouest capitale là. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis l'actualité, par sur musique haïtienne, sur vedette musique haïtienne, avec Jude Dansé depuis Miami, Floride. Groupe musical Sweet Mickey performé vendredi sous passé là dans soirée privée sous invitation pour célébrer retour jazz là dans HM Island. C'est dans deux quatre restaurants night club dans ville North Miami état Floride que événement a déroulé en présence plusieurs centaines de mélomanes qui étaient dansé Sweet Mickey sorti 10h à soir pour arriver bout 3h du matin. Soirée a été déroulée sans incident. L'important, li pour nous signaler que dans matin jour soirée, qui dit donc vendredi de d'août là, gagné un autre pour la presse, qui sorti en bas plume Alex Desulmé, qui c'est magistrat ville notre Miami, qui fait connaître que bureau lente et recevoir diverses complaintes pour capable empêcher soirée à dérouler en signe de protestation à présence ancien chef l'État haïtien, Michel Martelly, dans ville là. Magistrat, dans notre là, déclaré que n'y pas gagné juridiction pour le fermer, yon fête privée cap dérouler non nightclub dans ville là. Après soirée, nous te prenons réaction. Quatre mélomanes. M'vin là, ou artiste en table jouant là, et bien on artiste qu'on s'allie. Original, et puis belle bagaille. Gade Jamier. M'sué, belle bamboche, et puis belle ambiance. Oui, nous avons une confrontation de décisions qui étaient passées dans le passé. C'est le passé. N'a passé pour le futur. Mais dans l'ambiance entertainment là, on se l'allie. C'est pas incroyable. Nous sommes soif, nous sommes songés, nous sommes pas attendre pour te tourner back dans le micro, pour te donner tout ça qu'on donne. Pour faire connecter, pour faire nous connaître qu'il est toujours connecté avec nous. Comme haïtiens, haïtiennes sont seuls nous. Et nous disons Mickey merci avec tout cœur nous. Nous sommes soif. Moi-même étant fan de Mickey, Zami Mickey. Et je suis là tout pour me prendre plaisir parce que à chaque fois que je privé, je me sens pour mal là-dedans. Au cas où la fête privée, ça fait là, je participe là-dedans. Je ne filme ni pour la télévision, hein, et ni pour moi-même tout. Parce que je suis nostalgique que je ne suis pas capable de jouer. Quand nous comprenons, je suis sans en venir tout. Je suis comprendre que, étant on forme un président, je suis vivre dans les États-Unis, je suis pas en Haïti, je suis contre toute douleur Haïti. Je prends sous habitel, il dit que quand même, il n'y a pas de monde qui a souffert de lui-même. Je prends sous habitel pour le jouer pour lui. N'a pas ajouté que ni organisateur soirée, ni Michel Martelly de Sweet Mickey ne voulaient parler dans le micro après soirée. Mais l'artiste a confirmé pour nous que Sweet Mickey retournait dans HM Island et lui-même annoncé quelques dates de performance confirmées pour la semaine qui vient là, dans l'État Floride, à l'autre côté. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas M. Jude Onstre pour VOA Creole, Miami. J'étais content. Un coup de sous Jeux Olympiques, mes amis, il y a un coureur dominicain, à la République dominicaine, Paulino Marilé, il dit, eh bien, il bat le record dans 400 mètres féminins, à la République pour Jeux Olympiques, dans un temps 48.17, et il remporté médaille d'or pour la République dominicaine, et puis tout gagné, tout équipe espagnole qui a la France 5-3 en prolongation.
et gagner tout l'Allemagne qui calé Espagne 1-0 pour le prendre médaille bronze là et puis gagner tout dans football féminin gagner pas gagner un gros duel entre États-Unis avec entre États-Unis avec Brésil mais elle a été pas trembler l'autre bois là et nous pas qu'à finir pour nous dire que États-Unis gagne pour l'encontre avec la France dans le basketball masculin c'est wololo mes amis je dis assez vendredi nous remercions Auguste avec tout l'autre monde qui t'a aidé de mettre l'émission ça dans l'air et bien comme c'est vendredi mes amis passez un bon week-end songez que vous pas qu'à conduire sous consommer alcool et sous consommer alcool vous pas qu'à conduire bon week-end tout le monde n'a pas de lundi.